Ouais, salut les potes. Moi, j'ai un grand respect aux camarades de Grand Puy. Ça fait depuis 4 semaines qu'ils sont en grève et qu'ils lâchent pas. C'est ce qu'il faut montrer. On voit bien que vous avez une direction qui répond pas à votre appel. Normal. On devrait les mettre dans une malle. Comme Carlos Ghosn qui s'est barré en malle comme un voleur. C'est ça. C'est ça la direction totale. C'est une bande de voleurs et des voyous, faut dire la vérité. Quand on veut s'y licencier 600 mecs, c'est pas que licencier 100 mecs. 700, vous a... 700 excusez-moi, 100 en plus. C'est ce qu'il faut dire. C'est que dans les licenciements, vous avez pris des maisons dans le côté. Il y a vos familles. On va vous quoi? On va vous déloger comme des moins que rien. À un moment donné, faut pas lâcher l'affaire. La grève, c'est dur. On a fait 2 mois de grève à la RATP. On a pas lâché l'affaire. Votre direction, ils vont négocier avec vous. Il n'y a rien à négocier. Si vous allez dans des CSE avec eux pour discuter, on va négocier un PSE. C'est un PSE de merde. Il faut savoir, dans un PSE, quand on va vous envoyer, je sais pas où, vous avez vos enfants dans des écoles à côté. Vous avez vos enfants. Vous avez acheté des logements à côté. On va vous envoyer dans quel pays pour un PSE de merde? À un moment donné, faut pas lâcher. On va soutenir financièrement pour pas que vous lâchiez la grève. Les patrons, c'est une bande de voleurs. Si dans ce lot, il y a des gens de la direction, je leur lance un message. Vous êtes une bande de voleurs et d'escrocs. Parce que les mecs qui travaillent sur le terrain, c'est eux qui ramènent l'oseille. Si Total dit qu'il n'y a pas d'argent, elle vaut des milliards. Des milliards, et elle pense que... Elle parle d'écologie, elle parle de mes couilles. Ouais, il n'y a pas d'écologie. Hein? De quelle écologie? Elle veut virer 600 mecs parce que soi-disant, les plus productifs, 700. 700. Hey, on va envoyer ces patrons dans des malles, je sais pas où, dans quel bled, pour qu'ils arrêtent de dégommer toujours les mecs du terrain. On produit, on ramène le pognon, et on dit à ces patrons de Total, allez vous faire foutre, on lâche pas nos mots, on est des ouvriers nous, hey, on ramène de l'oseille. Ces patrons, ils touchent des millions, ils ont des yachts, ils ont des maisons à je sais pas combien de millions, et ces gens-là vont nous faire la morale. À un moment donné, les potes, la grève doit se durcir sur votre terrain. Il n'y a que comme ça que faut faire comprendre à ses patrons. Tocard, ils sont dans les 440, ils ont des milliards, ils nous prennent quoi? Pour des chiens? On n'est pas des chiens. On va leur démontrer que nous, sur le terrain, on est fort. Il ne faut pas lâcher que ce soit la CFDT qui négocie je ne sais pas quel miracle. Il n'y a rien à négocier ici. La seule négociation ici, c'est... Le rapport de force sur le terrain, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a que des grévistes. Et c'est grâce aux grévistes que ces patrons, on va les foutre à la porte. Voilà les potes, j'ai pas mis la parole. Force à vous, j'ai un gros respect pour les grévistes. Et les patrons, je les emmerde. Voilà. Salut les potes. Moi, je vous dirais sincèrement, je suis pas venu soutenir les camarades de Le Grand Puy. Je suis venu me soutenir. Je suis venu soutenir des ouvriers. Je suis venu soutenir des mecs qui se lèvent tous les matins à la sueur de leur front, produisent des richesses dans ce pays. Je suis venu soutenir mes enfants qui peut-être travailleront ici demain. Je vous dis les mecs, aujourd'hui, les ouvriers de ce pays, on voit bien ce qui se passe. On voit bien ce qu'ils veulent faire. Que ce soit chez Total, que ce soit la RATP, que ce soit la SNCF, toutes les entreprises où il y a des ouvriers, des salariés qui travaillent à l'option de leur front. Ne baissez pas votre front, les camarades. Allez vers ceux qui réfléchissent encore, qui pensent à la journée d'aujourd'hui. Projetez-les dans l'avenir. Dites-leur qu'il va falloir se lever de ce pays. Aujourd'hui, dès qu'il y a une protestation, les gilets jaunes, on le voit. On voit partout dans ce qui se passe dans ce pays. Dès qu'il y a de la protestation, il y a de la répression. N'ayez pas peur. Soyez des hommes et des femmes pour vos enfants. Je vous remercie, les gars. Merci à la délégation RATP. Bon, il y a tellement de chèques pour notre caisse que je ne sais même plus où les mettre. Je me rappelle en 2019, on disait « Ouais, quand on va nous fermer, vous serez où ?» Bah, ils sont là. Voilà.